Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap YL. Passez une bonne soirée, bienvenue. On est avec YL cette semaine entre 20h et 21h avec le projet qui est dispo depuis le 17 avril dernier en streaming. C'est le projet Vaillant. Comment ça va YL ce soir? Ça va super et toi frère? En pleine forme? Ouais, tranquillement. Tranquille, J-6 avant. En forme parisienne. Ah oui. J-6 avant le déconfinement. Donc au contraire d'Olympique, hein, je sais pas si t'as capté. Ouais. C'est bon, j'arrête. J-7 avant le déconfinement. Moins 6, tu vois, tu es perdu. Tu es perdu dans le temps. C'est vrai. Dès que t'avais Vanéria, c'est parti, on y va? Non, on est parti. Non, on peut y aller, hein, si tu veux. On est champion, quoi. Donc on peut chauffer, quoi. Oh là là. Il va commencer, hein. Non, tout va bien, en tout cas. Bienvenue à vous tous. On le disait, on va saluer aussi comme d'hab, puisque on approche des 20h et comme les gens sortent sur leur balcon en ce moment, ou à leur fenêtre, d'ailleurs, à leur fenêtre, les vrais vaillants. Les vrais vaillants. Du quotidien. Voilà, les vaillants du quotidien. Qu'on salue fort également dans Planète Rap et on espère grosse force. Vous faire passer une bonne heure, un bon moment avec YL. Tu n'es pas venu seul ce soir, YL? Ouais, évidemment, j'ai un invité. Ouais, jeune talent. Ouais. Prometteur. Très, très prometteur. Très, très fort. Très, très fort. Vraiment, vraiment, sans blague. Non, sans déconner. Sans déconner, vraiment très fort. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai découvert, c'est assez drôle, c'est parce qu'en fait, il ressemble à un petit frérot à moi. Tu vois, donc j'ai découvert tout seul, hein. C'est ma découverte, on n'est pas venu me le faire écouter. Non, t'as pas envoyé en disant, tiens, écoute ce gars comme il défonce. J'ai cliqué et j'ai kiffé. J'ai kiffé et ensuite j'ai pu déceler un peu de mental à travers les écritures. Et on vient de se rencontrer et je confirme tout ce que j'ai entendu. Ah, vous étiez pas vu avant? Non, c'était parler au téléphone, on s'était capté et là on vient de se rencontrer. Et c'est ISK. C'est ISK dans la maison, merci bien. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. En forme? Alhamdoulilah, merci à YL pour l'invitation. Eh bah, bienvenue dans ce planète-là, maintenant t'as l'habitude, hein? Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, encore un jour et ça fait comme si j'avais une semaine. C'est comme si t'avais une semaine, en effet. Bon, on va profiter de toi aussi, YSK. Donc, tu as découvert. À quel morceau tu l'as découvert? Grave Vert. Grave Vert. Ouais, j'ai écouté ce clip-là. Après, j'ai suivi son projet. Je l'ai écouté la sortie de la semaine où il a sorti. Oui, c'est il y a quelques semaines d'ailleurs. C'est dispo depuis. Ouais. C'était le mal effet. 4-5 semaines. Et voilà, mon frère, on a écouté le projet. C'est un premier projet, c'est concis, c'est puissant, c'est réel ce qu'il dit. C'est pas vantard, c'est bon mental, c'est bon, c'est chez nous. Merci en tout cas. On pourra te découvrir aussi en live pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ce sera tout à l'heure avant la fin de l'émission. Voilà. Et on attaque YL avec le morceau Vaillante sur Skyrock. C'est parti, coup d'envoi. C'est bien.
YL et c'est Vaillant, le nom du projet, le morceau Vaillante qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock dans Planète Rap entre 20h et 21h. Tu es venu avec ISK ce soir aussi, ouais, qui est là, qui fait partie donc d'une nouvelle génération aussi, comme tu as commencé toi aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, petit souvenir d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner, toi qui es maintenant devenu producteur, toi qui as monté ton label? Bah franchement, je lui souhaite le... Je pense que j'ai aucun conseil à lui donner parce qu'il maîtrise son sujet, malgré son jeune âge. Mais si je peux lui donner un conseil, un seul, c'est frérot, te décourage pas. Tout simplement. Continue, voilà, ça va aller loin, Inch'Allah. Toi, t'as eu ces périodes-là aussi, ces moments de découragement, ouais, bien sûr. Et puis le travail, hein. Y a que le travail qui paye finalement. Il y a des moments même où tu t'es dit, j'arrête, stop. Il y a pas longtemps. Sur la vie de ma mère. Non, mais vraiment, t'es passé par ça. Ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché, Fred. Je me posais des questions. Et puis, tu le sais, moi, je suis pas con, je suis allé loin à l'école et tout. Et à un moment, je me suis dit, frérot, si je me parle à moi-même, t'as vu, frérot, ça va. Frérot, si... Bon, en même temps, on est tous un peu comme ça, t'as aussi, capté, tout ça, t'as capté. Je dis, frérot, si ça te rend plus malheureux que ça me te rend heureux, arrête, trouve un boulot. Mais c'est quoi qui devenait pesant? Qu'est-ce qui devenait pesant, en fait? Le fait de pas pouvoir sortir de musique, tout simplement, en fait. Je m'en suis rendu compte quand j'ai sorti l'Arlar 1. Tu vois, c'est le fait de pas pouvoir m'exprimer, de voir tout le monde sortir des musiques. Et moi, je suis là, je suis au studio et je suis bloqué et je continue à faire des sons, mais j'ai l'impression de pourrir. C'est comme un boxeur qui est excellent, mais à qui on interdit de boxer. Il va rester dans la salle et il va le frapper fort, le sac de frappe. Donc c'était une sorte de déconfinement quand t'as pu sortir. Ouais, quand t'as pu sortir le projet, quoi, quand t'as pu sortir les morceaux. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais l'habitude de l'appeler mixtape de confinement, donc ça va bien ensemble. Non, mais c'est vrai que ça doit être particulier. Mais après, bon, c'est des histoires de contrats, etc. Donc, ouais, c'est bien. Qu'à un moment, t'étais bloqué. Monde, donc, je pense que tout le monde est passé par là. Tu vois, je pense notamment à des artistes comme SCH qu'on n'a pas entendu pendant un moment, d'autres artistes. Comme peut-être, ouais, Jules aussi, il est passé par là. Personnellement, je connais Naps qui est passé par là. Et en fait, je pense que le plus chiant dans cette histoire, c'est de pas pouvoir se défendre publiquement. Tu vois ce que je veux dire, se défendre publiquement dans le sens où toi, t'as envie de sortir des sons, t'as envie de... Et t'as ton public qui est demandeur et qui critique. Et ces critiques, elles sont légitimes. Donc voilà, c'est donc ça le plus chiant. Donc à ce moment-là, tu dis, ouais, allez hop, je fais autre chose. Tu peux douter, en fait. On est des êtres humains, tu doutes, tu te dis, bon, écoute, ça rend plus heureux, c'est bizarre. Ça rend triste. Ça rend triste. Et à partir du moment, justement, où tu as su que tu pouvais de nouveau sortir des sons, balancer des morceaux. J'ai eu peur. Ah, tu te dis, merde, c'est peut-être passé. Non, c'est pas ça. Vraiment, j'ai eu peur dans le sens où je me disais que. J'étais pas sûr de pouvoir reprendre le fil où je l'avais laissé. Mais en vrai, j'ai fait beaucoup mieux. J'ai tourné la page et j'avance sur un truc nouveau. Là, aujourd'hui, moi, je me considère comme un rookie, tu le sais. Je suis arrivé en 2018. On est en 2020. Sur mes 2 ans de carrière, j'ai eu 9 mois d'inactivité. Donc, tu vois, comme un mec qui ressort du hype, il te dit, ouais, j'ai vécu que tant d'années, là. Enlève-moi 9 mois, là. Ça fait 1 an que je suis dans le game. J'arrive encore. Donc oui, t'es encore tout frais. Ouais. Non, t'es encore tout frais, t'es encore tout ambitieux. Ouais, bah oui, t'inquiète pas, frère. Et le Planète Rap, entre 20h et 21h sur Skyrock, c'est avec YL, un morceau qui s'appelle Mon Frérot qu'on vous balance maintenant. Lourd. Pas question qui passe devant nous, on va en dire, c'est la plus en frérot. On a tous une serrette, une frangine, un frangin, on kiffe. Spéciale dédicace à tous les frérots du monde. Pas comme si on savait pas, y'a qu'à regarder les autres. Habitués à les voir nous regarder tous de haut. C'est pas du sirop dans la bouteille d'eau minérale. Vaillant depuis mineux, devine qu'il faut du dinero. La pression qu'ils me mettent, l'impression qu'ils me mentent. La question qui me freine, la même qui me peine. Et les autres ils avancent, pas question qu'on RS. Pas question qu'ils passent devant nous au volant du RS. Mon frère, ouais. Quand ils sortent, je refais, ouais. Pour un regard de trop, on casse des gueules. Moi, on n'est pas des mauvais, ouais. C'est mon refrain, ouais, j'ai une autre parole. Malgré les kilomètres, je lui fais le même tarot. On se comprend, on regarde, pas de belles paroles. Entraîné dans la ville avec la même dalle. Je ferai tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Oh, c'est tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Ouais, c'est tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Je donne tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. C'est mon refrain, ouais, j'ai une autre parole. Malgré les kilomètres, je lui fais le même tarot. On se comprend, on regarde, pas de belles paroles. Entraîné dans la ville avec la même dalle. On traînait dans la ville avec la même dalle. 2 enfants turbulents sur la même galop.
avec le même talent. On se rejoint dans la nuit, on fait les mêmes salaires. C'est tout pour mon frérot, je m'en bats les couilles. Il tient la guitare et moi je ramasse les douilles. Je veux pas savoir s'il est en tort, c'est bien noté. Les mains faites pour leur même sont menottées. Quand t'es dans la nuit, hey, on sort en vitesse. Fais peur au videur, s'il faut on l'éteint. Et au pire c'est le mitard. Et nique sa mère frère, profite de l'occasion. Pour écrire mes textes, c'est la vie d'un local. Tant qu'on est ensemble, on les met en sphère. On les met ensemble, mais à l'évidence, ça va pas durer. Le monde est à nous, pour nous c'est naturel. C'est mon frère, ouais. Quand il sort, je refais, ouais. Pour un regard de trop, on casse des gueules. Moi, on n'est pas des mauvais, ouais. C'est mon refrain, ouais, j'ai notre tarot. Malgré les kilomètres, je lui fais le même tarot. On se comprend, on regarde, pas de belles paroles. Entraîné dans la ville avec la même dalle. Je ferai tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Oh, c'est tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Ouais, c'est tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Je donne tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. C'est mon refrain, ouais, j'ai notre tarot. Malgré les kilomètres, je lui fais le même tarot. On se comprend, on regarde. Pas de belles paroles, entraîné dans la ville avec la même dalle. YL avec nous entre 20h et 21h, Vaillant, c'est le nom du projet qui est dispo en streaming, en téléchargement légal aussi, n'hésitez pas à retrouver le projet Vaillant d'YL. Un petit mot sur les gens avec qui t'as bossé sur ce projet, pour les sons. Ben, les beatmakers, ben, je peux tous les citer tellement c'est des tueurs. Tu les as tous de tête là ? Tu les as tous de tête ? Amine Farsi, ouais, je les ai tous de tête. Amine Farsi, y'a qui encore ? Y'a Tommy, mon petit Tommy, y'a qui encore ? Y'a qui ? Y'a Air Jax, y'a qui encore ? Ah. Attends. Mais si, là, j'ai tout le monde, là. Là, j'ai tout le monde. Attends. Ah, y'a AM Music Boy, Abdallah, ma gueule. C'est bon, là, j'ai tout le monde. Là, c'est bon, t'as tout le monde. J'ai tout le monde. D'autres personnes à remercier, d'ailleurs, autour de ce projet, que t'avais, voilà, qui t'ont aidé à le construire. Mon DA actuel, il se reconnaît. Le DA de la street, il se reconnaît. Et c'est grâce à lui qu'on en est là. En grande partie. ISK, il est aussi avec nous ce soir dans Planète Rap entre 20h et 21h. Tu l'as invité, c'est la première fois où vous rencontrez aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu... J'allais dire, tu connais d'YL, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu as aimé sur ces derniers projets, sur des sons en particulier, ISK ? Moi, ça fait longtemps que je connais YL, t'as vu, sans te mentir. Et même avant qu'il sorte son premier album, je sais pas, c'était un album ou une mixtape ? Mixtape, ouais. Ça, c'est pareil. J'écoutais. Moi, j'ai résolu le problème, je dis projet. Ouais. Non, pour moi, c'était plus, pour moi, c'était un album. Dinguerie. Et j'écoutais depuis, t'as vu, ça fait longtemps que je connaissais. T'as vu, moi, ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, comme je le dis tout à l'heure, encore une fois, merci pour l'invitation. Ouais, normalement, on kiffe, on écoute fort. Tu as été à Marseille déjà, tu es parti du côté de... Je suis allé à Marseille, c'est pour aller au bled. Bah dès que possible. Voilà. Direct, dès qu'on est déconfiné. On espère. Bah on espère Inch'Allah. En tout cas. A priori, on pourra pas faire trop de kilomètres au début, mais. Bah écoute, dans le respect des lois. Mais qui sait, voilà, exactement. On va faire ça bien. Le Planète Rap entre 20 et 21, on va rappeler aussi SK. Un petit point donc sur ton projet, on disait il est sorti il y a quelques semaines de ça. Ouais, le 20 mars. Pareil, toi aussi t'es content, ça se passe bien, beaucoup de retours. J'ai des bons retours, ouais. Des bons retours, les gens ils aiment bien. Ça stream, ça va, ça se passe, alhamdoulilah. Et on vous retrouvera en live tous les deux d'ailleurs avant la fin de l'émission sur Skyrock. Là on écoute des morceaux. Un titre qui s'appelle Sommeil. Ouais. Ça c'est le préféré de mon gars. C'est le préféré de mon artiste. Mon artiste, il kiffe ce son là dans la musique. Qu'on va découvrir dans la semaine aussi. Tu inviteras dans la semaine aussi. On va découvrir, bien sûr. Allez, on balance le morceau Sommeil. Vas-y, ma gueule. Maman ne dort pas de la nuit. J'ai des responsabilités, encore une nouvelle naissance, une connaissance qui décède, un conseil.
inconsciemment je dissoule. Si je ferme les yeux, je m'endors décidé, je me réveille déçu. La même tous les jours, elle me fait bander, je ne nie pas. Elle sur sa mère, la pute, elle me fait passer pour ce que je suis pas. Confirme que c'est la street, ouais, vite, merde, il head, slip, presse. Je vais appeler vite, justice à deux vitesses. Combien m'entourent et sur cela, combien m'épaulent. Combien me soutiennent et sur cela, combien m'écoutent. Dis-moi combien tu vaux toi, dis-moi combien elle coûte. Dis-moi combien il faut, je te sers d'un air dégoûté. Je m'adore pas de la nuit, parce que je suis malhonnête. Fils de je suis mal poli, les menottes me font mal aux mains. Je m'adore pas de la nuit, parce que je vais plaider coupable. Parce que je m'entête et que je m'endette et que ma vie ne m'adore pas de la nuit. Robot, j'ai des émotions, je peux pas les exprimer en emoji. Je peux pas faire semblant, j'apprends mes leçons. Toutes mes leçons, je les mémorise. Mémorise, la culture du rap et sa théorie. Des milliers de textes dans mes mémorises. Mémorise, virtuel. Tous nos souvenirs dans nos mémorises. Dans la matrice comme Kenny Reeves. Je suis resté le même et ça mémorise. Mémorise, maman m'a dit j'ai le même rire. Comme mon grand-père et les mêmes rides. Que je peux assumer les mêmes rides. Sacrifier ma vie, même brûler la ville. Et tout ça pour éviter la pénurie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le temps est rapide, il est passé. Sur ses genoux j'étais assis. 20 ans plus tard je suis dans la zone. À peine en mon pic que je rentre pas le soir. Je suis dans mon délire, ouais je parle seul. Je suis pas le soleil, frère j'en ai pas le seum. Je suis trop fier donc trop fermé. Donc trop à l'ancienne. Toi t'es trop ouvert, tu risques de nous balancer. À peine en mon pic que je rentre pas le soir. Je suis pas le seul. Maman ne dort pas de la nuit. Le morceau qui s'appelle Sommeil, à l'instant, on l'a compris, t'avais des choses à dire justement. Choses importantes. T'as capté des, des choses intimes, je fais pas le voyou là, je fais pas le bandit là, c'est important. De rappeler, voilà, de, bah, c'est aussi peut-être le sens aussi de, du projet où tu as mis la photo de famille. Pour ceux qui stream, vous l'avez peut-être vu aussi cette petite vignette, en tout cas. Ouais. Elle a bien tourné, elle a bien marché. Elle a bien tourné. Non, mais l'écriture est toujours aussi importante pour toi, YKL. Évidemment, tu prends, tu pèses toujours chaque mot, tu. Ben, disons que elle peut se retrouver plus légère, mais c'est qu'une question de ressenti. Je reste toujours dans, dans ma lignée de. Je me considère comme un écrivain, sans fausse modestie. Mmh. Je me considère dans la lignée des rappeurs comme Nesbill. Comme aujourd'hui un Niro, comme aujourd'hui un SCH, comme c'est des mecs capables de faire de l'entertainment, mais leur style de base est, est assez profond. Et je m'apparente à ces gens-là. Pareil, même là sur ce, ce projet, tu l'as dit, c'est plus le côté mixtape, en tout cas ce, ce projet. Mmh. Mais pareil, tu prends un soin sur l'écriture, tu es revenu sur des morceaux. Ouais, il y a quoi sûr. Il y a 9 titres dessus. Il y a 9 titres inédits. Bien sûr, je suis revenu sur des morceaux, même des morceaux que j'avais enregistrés avant la mixtape. Je les ai réenregistrés. J'ai apporté des nouvelles top lines. Je m'intéresse à tout maintenant, Fred. Vraiment, je fais péter la basse, la 808. Je connais des logiciels d'ingé son. Tu fais du son déjà ? Je commence. J'apprends la composition en ce moment, doucement. Ça aussi, c'est compliqué ? C'est une nouvelle étape ? C'est trop dur. Je vais composer à la souris. Au début, je voulais faire le mec qui apprend le piano, là, mais laisse tomber. Ah ouais, ça c'est... C'est pas pour moi. Par contre, je connais, tu sais, les petits trucs de geek, tout ça et tout. J'arrive, je prends mon ordi. Oh. Tu vas mettre 2-3 tutos pour... Bien sûr. Ah oui ? Bah, les tutos de mon gars Noxious. Il fait du lourd en ce moment, c'est pareil. Ah ouais, donc tu ouais, c'est un truc qui te passionne aussi de pouvoir c'est marrant finalement tu vas tout contrôler quoi entre le label que t'as monté la toi-même composition. La composition, l'écriture. Ouais, ben pas les clips que tu feras, toucher à tout. Ben les clips là, c'est moi qui les réalise avec mon équipe.
On a tout réalisé ensemble. Je donne mes idées. Ça se passe avec. En fait, le but c'est de pas contrôler tout, mais de d'apprendre autre chose. Je sais déjà écrire, je sais déjà chanter. Aujourd'hui, moi, je suis intéressé par la vidéo. Je suis intéressé par la composition. J'ai jamais fait ça. Je connais pas do ré mi fa sol. C'est quand le premier son qu'on entendra de toi? Bientôt. J'en ai déjà un dans mon iPhone. J'écris dessus et tout, mais bon, j'ai honte. Écouter un peu. Non, je peux pas. J'ai honte. Écouter un petit peu. Arrête, j'ai honte. D'ailleurs, j'ai trouvé mon nom de beatmaker. Ah. Ouais. Larlar on the track. Mais avec une voix comme Larlar on the track. Une mixtape signée YL et Larlar. Metro Boomin, t'as capté ou pas? J'ai compris. Ça te fait envie, toi, Yeska, justement, de pouvoir tout contrôler de ta musique, de pouvoir tout gérer? Ou pour l'instant, tu te contentes de, voilà, de rapper et... Non, c'est intéressant, t'as vu. Parce que même moi, des fois, j'aime bien. Le seul truc que je sais faire au studio, c'est remettre l'instru, que les petits trucs, t'as vu. Ouais. Je sais rien faire de bien beau. Mais on m'a offert pour mon anniversaire un matériel de studio pour chez moi, bah, par rapport au confinement, mais j'arrive pas à l'utiliser. Ah, c'était trop. Un mec des ordinateurs. Ouais, t'aimes ça. Pas ça. Même les ordinateurs, j'ai appris en cours à bien les utiliser. Bah, c'est vrai que c'est autre chose aussi, ouais. Faire le son, c'est beau. Il y en a fait beaucoup de patience, beaucoup de. Faut de la patience, ouais. Faut de la patience et de la passion. Faut vraiment le vouloir, en fait. Si tu te forces, tu arriveras pas. Bah, peut-être par la suite. Ouais, chaque chose en son temps. Voilà, moi, je pense que pour l'instant, le refrain, il est là pour découper. Voilà. Il va en découper encore. Ce sera dans un instant. Qu'est-ce que vous nous ferez en live d'ailleurs? Il y a l'inédit aussi à découvrir en live. Ben, je pense que le refrain, il a préparé une petite exclue. Et ouais, moi, j'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise parce que je kiffais vraiment ce qu'il fait. Je vais peut-être te griller une cartouche, mais moi, tu sais très bien, j'invite pas les gens comme ça. Tu risques de le retrouver sur l'un de mes projets qui arrive. Je me doute. Et ouais. Je me doute. Et en fait, le confinement, ben, ça nous a mis un peu dedans. On n'a pas pu se capter avant. Donc, du coup, on a une petite surprise en attendant. Très bien, ce sera tout à l'heure, ne bougez pas, le Planet Rap sera de retour dans un instant, on balancera aussi toute la nuit. Oui. Juste après la pub, le retour d'YL. Planet Rap, 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap, YL. J'ai deux cigarettes pour mes deux poumons. J'ai caché ma jeunesse en bétonnant. J'ai de la salle à jaune entre étonnant. Tu vois ce petit, pas un euro. Il est pas heureux, il a pas d'héro. Il finit son flash et il parlerait. Malheur à celui qui va le parrainer. C'était interdit, il s'est permis. Parce que maman était au RMI. La suite de l'histoire va me faire mal. Comme la suite de la bouteille, je la termine. Tu vas parler mal sur la vie de ma mère. On va pas se croiser bien évidemment. Je suis pas là pour vanter ma vie de merde. Elle était moins dure que la vie d'Ahmed. J'ai survécu entre les quatre tours. J'ai vu des bonhommes et des catins. J'en ai vu des hlèles à quatre pattes. J'ai vu des salons prendre mes patins. Et puis j'y pense toute la nuit, ouais. Sache toute la nuit, j'ai dépensé toute ma vie, ouais. Dans toute la ville, je rêve d'effacer toute ma raison. Pour m'égarer, j'ai dépensé toute la nuit, ouais. Dans toute la ville, ville, ville. On n'est pas solide, j'ai senti la haine dans les accolades. Tu ne vois pas Jacques, t'es sous Jack Miel. Jacques a dit tu deviens alcoolique. Je vais m'isoler, je suis mieux solo. Éviter les yeux et les bracelets. Car ça part en couille, ces mecs gars sont là. Y'a que dans la violence qu'on est azélé. On part dans leur cité sans permis. La première patrouille peut nous faire du mal. Et tant que le ciel nous le permet, déterminé, on reviendra en Hermine. Ta folie c'est d'envier ma vie de merde. Mais t'as pas vraiment tort et finalement. Je fais pas le minimum à 2000 à l'heure. J'ai ma tête de rebeu dans voiture allemande.
Et puis j'y pense toute la nuit, ouais. Toute la nuit, j'ai dépensé toute ma vie, ouais. Dans toute la ville, je rêve d'effacer toute ma raison. En égaré, j'ai dépensé toute la nuit, ouais. Dans toute la ville, 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 ville. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap entre 20h et 21h avec YL et le projet Vaillant qui est dispo en streaming, en téléchargement légal, n'hésitez pas. Partout. À le récupérer un peu partout, le morceau toute la nuit à l'instant. Un invité qui est là aussi, que tu as invité, il s'appelle ISK. ISK, pas mal. Il fait partie de ces jeunes pousses qui sont là, qui sont chauds. Je vais lui représenter le 7-7 et tu vas voir comme il est chaud, ma gueule. Ce sera dans un instant en live, sinon toi t'écoutes beaucoup aussi, pareil, le rap français, t'écoutes toujours, t'as toujours une oreille attentive dessus, ou alors justement quand tu fais un projet, tu te mets. Je me suis mis un peu off. Mais comme pour le frérot, t'as vu, je fais toujours ma petite surveillance sur YouTube. Et en fait, moi, ce que je fais sur Flow, tu connais Flow de Deezer? Où il y a la même chose sur Spotify. C'est des, tu sais, les systèmes aléatoires. Ben, je sélectionne aucun rappeur que je connais. Comme ça, je découvre que des nouveaux. Ah ouais? Et ouais. Les rappeurs que je connais, tout ça et tout, je vais, j'ai leur album, tout ça, truc, et le reste, je m'y rap français, cool, j'aime bien et tout, et proposer. Donc ça te permet de découvrir des choses, t'as eu des belles découvertes ces derniers temps? Ouais, je tombe sur des bonnes surprises et j'en tombe sur des plus drôles. Les deux. Il faut de la place pour tout le monde. Donc ISK, c'était une belle surprise. ISK, c'était une très très belle surprise. Très très belle surprise, c'est pour ça qu'il est là ce soir aussi avec nous. Entre 20h et 21h. Non mais je disais généralement, est-ce que tu écoutes aussi beaucoup de rap français en période où tu écris, où tu fais un album, où justement tu prends un peu plus de recul? Non, je prends ça plus joue de... pas. Ça joue pas, ouais, c'est forcément. Même si ça joue. Si ça joue déjà, je te mens pas, ça joue, c'est influent. Moi quand t'écoutes mon rap, t'entends tout ce que j'écoute. C'est obligé. Ceux qui disent le contraire, soit c'est des génies incompris, soit c'est moi qui les a pas compris. Mais franchement, je vais te parler franchement. Moi quand j'écoute, quand je fais un album ou un projet, étant donné que je me considère assez avancé dans le domaine du hardcore, tu vois, j'ai saigné du Lacrim, j'ai saigné du Niro, j'ai saigné tout ce qui était hardcore pour moi. Donc je le fais à ma sauce, le hardcore, et pour les sons chantés et tout, ben je vais écouter des sons, mais t'es pas prêt. Ça peut partir, je suis dans tous les continents, je suis au Nigeria, je suis en Inde, je suis partout. Je suis partout là, en ce moment je suis à Cuba, ouais. Et en Inde. Donc là, de côté. Cuba, Inde. Cuba, Inde, ouais. D'accord, donc les sonorités qui te plaisent, les... Des sonorités, des top lines, carrément, des top lines. Moi, j'entends un truc, ça, je kiffe. Ah ouais, ok, d'accord, telle mélodie, je la prends, je l'isole sur un autre BPM. Voilà, secret de fabrication, les gars, c'est cadeau. Bah, après, le rap, c'est toujours aussi inspiré. Il y a toujours eu ce qu'on appelait le sample, si à tu partir, veux. Ben ouais, voilà, à partir du moment où Dr. Dre, il a samplé Charles Aznavour. Charles Aznavour, ouais. Je pense que t'as vu, moi, en tant qu'artiste de variété française, parce que je le suis aussi, ben, j'ai le droit de sampler qui je veux. Non mais c'est vrai que ça c'est peut-être, on en parle moins maintenant du sampling, ouais. comme il y a pu avoir une grande époque où on pouvait peut-être même d'ailleurs peut-être reconnaître plus facilement les samples sur certains morceaux, mais ça fait partie de l'histoire du rap, il y a toujours eu ces samples, rap, voilà, c'est le rap. C'est le rap. On et même j'ai envie de te dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est ça, je me suis pas trompé. Ouais, on n'est pas loin. Voilà. Voilà, on va pas se mentir, frère, on parlait du solfège tout à l'heure. Il y a 12 notes, non? 12 notes? Combien? 8 notes? Combien, Rock-G? Rock-G, spécialiste en musique, spécialiste en musique. Waouh, t'as vu, t'es là, tu mets la pression et tout. Vas-y. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, do. Do. Ah, tu connais pas ça? Il y en a 9. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais il y en a 9. Ça do, fait 9. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y en a 8. 8? C'est, ah ouais. Ouais, c'est moi, je compte mal. L'acido. Ben ouais, non, je connais pas de base, c'est vrai. Mais bon, c'est pour juste te dire qu'en vrai, tu peux pas faire de la musique à partir de rien, on est d'accord. Tu prends un kick qui a déjà été utilisé, un piano qui a déjà été utilisé. Même ta mélodie, c'est une autre version d'une autre mélodie, en fait. Alors, par exemple, un titre. Le titre que tu aimerais sampler. Le titre que enfin, le titre, je sais pas, celui, voilà, vraiment, tu dis putain, qu'est-ce que j'aurais. Ou alors, voilà, j'aurais aimé faire ce morceau, Ah, il y en a plein. Il y en a plein. La vérité, le morceau que j'aurais aimé faire là dernièrement, c'est Niro Cantona. Ah, celui-ci? Cantona, ouais, il est énervé. On dirait, tu sais, c'est des prods à l'ancienne, un peu 2014, thérapie, les grandes nappes.
Ouais, je kiffe, je rêve. Et alors, si on sort hors milieu du rap, je sais pas, mettons même dans la variété française ou ce que t'as beaucoup écouté d'ailleurs, est-ce qu'il y a un morceau que t'aurais aimé sampler comme ça? T'as vu la chanson de Renaud? C'est que. Toi tu me casses les couilles. Ah tu fais partie de toi, ouais. T'es pas de ma bande, ouais. T'es pas de ma bande. Tu peux, t'es Marshall, voilà, ouais. Il m'a pris mon blouson, je l'ai pris. Ça là je l'aurais bien fait, ça là. À l'époque je pense que j'aurais été un mec comme ça, moi, tu vois. Un loulou quoi. Ouais. Un loupard, blouson cuir mobilette. T'as capté, en léger ma moumou. C'est vrai en même temps, hein. Pourquoi pas? Mais déjà, dans la coiffure, il y a un truc, hein. Il y a un truc. T'as capté? Ce qu'on appelait les blousons noirs, coiffure... ce qu'on appelait les blousons noirs à l'époque. Ma coiffure, grand sujet de discorde. Je sais. Grand sujet de discorde familial, personnel, privé, avec le les amis, et même sur Internet. C'est quoi le problème? Ben, dis-toi, c'est comme le gouvernement. Il y a plusieurs partis politiques et tout. Il y en a, ils sont partisans du dégradé. Il y en a d'autres, sont partisans de plein de choses, tu vois. Attends, Rocky, qu'est-ce que tu... Non, tu t'es dit. Lui, il est partisan de la boule à Z, lui. Ah, ouais, bah, frère, on se refait pas. Lui, si on l'écoute, lui. Mais là, en même temps, avec le confinement, c'est la merde. En même temps, je te dis la vérité, hein. Je suis à deux doigts. Ça commence à me casser les couilles, hein. Plein de masques, plein d'huile et tout. C'est bon. Frérot, c'est vrai que maintenant, en même temps, les cheveux sont devenus dans le rap français quelque chose d'incontournable. T'as vu, on doit entretenir et tout. Ça coûte cher, ça, merde. Il y a toujours un moment capillaire dans l'émission. C'est dingue. C'est devenu important. C'est vrai qu'avant, c'était plus simple, hein. Ah ouais. Un coup de tondeuse, c'était fini, hein. C'était. Ouais, mais même. Avant, on te jugeait sur ton rap et non sur tes cheveux. Bah non, regarde-moi ça, Yeska, regarde ça aussi, okay. Cette chevelure. Tu as vu? Non, mais lui, les jeunes, eux, ils sont trop bien lotis. Eux, ils sont arrivés dans la génération où c'est normal. Ouais. T'as capté, eux, eux, c'est normal, y'a rien. Eux, beau gosse. Avant, tout. T'as vu, par exemple, quand au début, ma daronne, mon daron, c'était bizarre. Ouais, j'ai pris du temps. Je faisais peu à peu. Tous les jours, je faisais genre, t'inquiète, je vais couper, t'inquiète. Je vais couper, finalement. Jamais coupé. Mais là, c'est passé. Ouais, c'est passé. Maintenant, c'est passé. Ça y est, c'est rentré. C'est rentré dans la norme. Putain, vous avez de la chance, les gars. Le Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock, c'est avec YL. On écoute un morceau, on passe au live après. Direct. Allez, c'est loin qu'on écoute. Ouais, je le kiffe celui-là en plus. C'est un de moi parce que je passe la nuit dans les ténèbres. Et le matin, je me réveille avec le même sourire. Je m'élève, je reviens de loin, ouais. Je reviens de loin, ouais. Yeah, elle s'étonne de moi parce que je passe la nuit dans les ténèbres. Mais le matin je me réveille avec le même sourire. Je m'élève, je sais que c'est pas une coïncidence. Je me réveille à l'heure de la prière. Faudrait que je commence à la faire. Mon Seigneur m'a permis de briller. Je reviens de loin, je t'ai fait dur, j'attends que ça tombe. Je laisse tout au mien, je veux pas décorer ma tombe. C'est chacun pour sa gueule, fais pas blani, on l'a compris. T'es concentré sur ton bif et ta biatch et ton nombril. Ma gueule, j'ai pris de vitesse, mon excès d'ivresse. Maintenant que c'est dit frère, j'ai pillardi tes fils de pute, mais de la distance. Je veux pas de leur discours, je veux pas de leur délire d'hypocrite, je veux pas de leur resto. Ton ami baisse ta femme, donc à vos condés sur Instagram, ils me font les comptes et moi jamais je me la raconte. Je connais des tueurs, je veux pas leur ressembler, dans leurs yeux y'a pas de lueur. Mon ami tout est noir, oui tellement noir, que je peux effacer 23 pigeons une seule soirée. Mais je suis sûr de moi, je connais mes racines. Moi je te dis qu'il est fou ce monde. Je reviens de loin, ouais. Je n'ai que mes deux mains. Si je perds aujourd'hui, ben je reviens demain. Regrette ce que j'ai vendu. Viens faire le bandit. La violence nous fait bander. Viens faire le tendu. Je reviens de loin, ouais. Je n'ai que mes deux mains. Regrette ce que j'ai vendu. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap entre 20h et 21h avec YL, avec ISK qui est là aussi avec nous ce soir dans l'émission. Et vous tombez bien si vous débarquez à l'instant sur Skyrock puisque c'est l'heure du live. Enfin. Rock J est prêt, Rock J est déjà debout. Ah, Rock J est toujours prêt, cousin. Toujours prêt.
On y va? On attaque? Qui donne le coup d'envoi, c'est toi? Ouais, ouais, c'est moi qui donne le coup d'envoi, je crois. YSK, paire de contournevis. Tiens, 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 ouais. Le bon temps me manque, mon ami. Et le temps me manque par moments. Les lumières complotent, maman. Avec autant d'amour que j'aime, maman. Je suis un peu content par moments. Quand la tête de Jack est finie. Quand y'a deux, trois chats, tu dis mais. On est plus des frères, tu te méniques. 3h du mat, on tourne en ville. Ils sont passés fils de pute, tournevis. J'passe pas la nuit, coffret en bois de nuit. J'rentabilise, paire de gants, tournevis. Paire de gants, tournevis, paire de gants, tournevis. On ramasse la somme, on fait tout normal. Yeah. Et j'appelle personne si ça tourne mal. Et j'appelle personne si ça vire au drame. Pour ma hagra, faut vider tout mon sang. Tous mes sabs, tous mes sauces, tous mes frères. Que des hommes, on prend les armes. On prend les armes. En bénévole, en bénévole. Pour le bénéfice, t'imagines pas ce qu'on fait pour le bénévole. Magla, dis-moi où va le monde. Sûrement dans les bras du diable, dans la tête de Jack. J'ai pété le jack, pas que le moteur tourne à 4000 par seconde. Sûrement dans les bras du diable, dans la tête de Jack. J'ai pété le jack, pas j'appelle personne et j'assume quand y'a drame. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis. Non j'appelle personne et j'assume quand y'a drame. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis. ISK, ISK. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis, ah. J'suis venu pour les faire, cheveux jusqu'aux épaules comme un Marseillais. On m'a dit qu'il fallait faire le ménage, Y elle m'appelle, j'suis venu pour tout balayer. Les principes restent les mêmes, on change pas une équipe qui gagne, ça porte malheur. Titulaire sur le bitume, là j'suis occupé, on se revoit tout à l'heure. J'ai des frères qui tombent, des frères qui se relèvent, j'ai dépassé le maître, c'était moi l'élève. Parle pas sur mon dos, on l'a que ça m'énerve. Enfant du ghetto, on n'est pas millionnaire. J'aurais pas le sourire, tant que Bison est enfermé. Mon cœur est grave malade, mais j'ai pas besoin d'une infirmière. Et j'appelle personne si ça vient au drame. Pour faut vider tout mon sang, tous mes sabs, tous mes sauces, tous mes frères. Que des hommes, on prend les armes, on prend les armes. En bénévole, en bénévole. Pour le bénéfice, t'imagines pas ce qu'on fait pour le bien des nôtres. Magla, dis-moi où va le monde. Sûrement dans les bras du diable, dans la tête de Jack. J'ai pété le jack, pas que le moteur tourne à 4000 par seconde. Sûrement dans les bras du diable, dans la tête de Jack. J'ai pété le jack, pas j'appelle personne et j'assume quand y'a drame. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis. Non j'appelle personne et j'assume quand y'a drame. Paire de gants tournevis. Paire de gants tournevis. Moi j'appelle personne et j'assume quand y'a drame. Lourd, 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 lourd de ouf mon frérot. Attention, je l'ai direct, le 6-0, Chichi Gangsta. Yes, car dans la maison. Chichi Gangsta. La vérité sort de la bouche des enfants. Les concernés ne sont pas très contents. Y'a beaucoup de choses à dire, du coup je vais rappeler longtemps. Si tu leur donnes ta confiance, tu la retrouveras par terre. Ils pensent déjà à tout cas, faut qu'ils s'assoient dans le parterre. C'est triste à dire, mais on est trahi que par ses proches. Fais pas le blinder mon pote, ou tu seras trahi par tes potes. Fais ce son pour les vaillants, mentalité anti-balance. Viens pas jouer avec la rue si tu peux pas suivre la cadence. Perte de temps ou perte de bif, c'est la même chose. Un client c'est un client, même s'ils prennent pas la même dose. Ils appellent ça gardien de la paix, moi j'appelle ça des monstres. Les crocs font reculer les ennemis seulement quand tu les montres. Ils diront que je rappe à l'ancienne, ils sont noyés dans le futur. La vérité éclate toujours, sauf quand ça parle de bavure. J'écris jusqu'à pas dire, j'ai l'inspiration du sommeil. On arrête pas ce qu'on entreprend tant qu'on touche pas le sommet. Braquage à main armée, règlement de compte à l'opinel. Bienvenue chez nous, 77 criminels. Ah, l'histoire est belle quand la fin est tragique. J'arrête le rap le jour où je ferai un classique. Pour l'instant je t'invite à écouter la suite. Faut que tu dégustes le son, t'es qu'à la moitié de l'assiette. Et j'en place une pour tous les rois à la rate. Pour ceux qui disaient tu réussiras pas vu que t'es un arabe. J'ai pas d'ennemis à part moi-même. Je te dirai pas mon prénom mais j'aurais dû m'appeler Mohamed. Ils ont des choses à prouver, faut qu'ils se partagent sur le vouloir. Bâtiment délabré, t'as plus la piste dans le couloir. On a grandi dedans et on a l'habitude. Au bout d'un jour chez nous tu diras t'as connu la vie dure. Quand je rentrais à l'école je disais hamdoulaye pas pardon. Ça choquait la maîtresse donc elle me faisait porter le fardeau du fou. Isolé des autres, solo dans sa tanière. Les musulmans sont discriminés, ça date pas d'hier. J'écris ça pour les banlieusards, j'écris ça pour les vrais. Pour ceux qui faisaient le dégradé en 2010 avec les deux traits. À l'ancienne on portait les t-shirts, banlieue 7-7. Maintenant c'est Gucci LV, on fait partie de la Jet Set. On dit que la bif fait pas le moine. On m'a dit que les gros sont du rap, ils seront jamais faits par moi. Ah ouais.
l'hôpital, j't'accompagne. On m'a dit que le rein s'était fait péter, j'avais galère à avoir une perquise. J'suis monté chez lui pour enlever tout ce qu'il y avait. On a trop saigné le pavé, sur les murs nos places sont gravées. Chez nous ça se rentre dedans pour un regard de travers. Grandi dans les cités, grandi dans le partage. Les mecs de chez moi ils s'unissent pour qu'on pète tous le pactole. C'est pas pour les traîtres, mais c'est pour les vaillants. Pour ceux qui en courent pour suite, manie très bien le volant. On roule en Clio, on se comporte comme si on roulait en Audi. Il en faut peu pour être heureux, gros, on vient des taudis. TN sur mes crocodiles, les amis, c'est ma meilleure amie. 2005, mes parents vendaient des vases en céramique. Sur la Play 2, on jouait à San Andreas. Sur une feuille déchirée, on notait tous les codes de triche. Sur la route du succès, j'esquive tous les PH. J'suis venu avec zéro dans les poches, mais j'suis venu pour être triche. Range les liens à papa, d'après cette personne. J'traîne avec des mecs qu'on fait rentrer plus de 100k en liquide. Espèce de gros menteur, tu nous auras pas. Tu fais le mec respecté partout dans ta cité, on sait pas t'es qui. Hey, la vérité sort de la bouche des enfants. En écoutant ce son, du poète dire que j'ai 30 ans. Les concernés ne sont pas très contents. Y'a beaucoup de choses à dire, du coup j'ai rappé longtemps. Pour les mecs qui caprent en bécane, pour pas faire de tomber. Ceux qui sont pleins aux as, mais qui ont jamais bombé. Aujourd'hui c'est le monde à l'envers, les pauvres font croire qu'ils sont riches pour impressionner tes fils et pélos, ils s'inventent des vies. Le regard des gens, on s'en fout. J'allais au collège avec une paire d'Asics pleine de trous. Quand j'étais à sec, j'allais à Clio-Cours. J'achetais des affaires neuves, toi aller en cours. Dans la rap, je suis pas venu tout seul, c'est les grands qui m'ont porté. Tu veux aller où sans la force de ton quartier? C'est pour les mecs du square, c'est pour les mecs de la tour. De Cizia au City Gangsta et tous les mecs du four. 77 criminels et toutes les cités de France. Aujourd'hui, on est bien, mais on a kiffé notre enfance. Pour eux, je suis plus un rappeur, je suis devenu un poète. Tout est bien qui finit bien, donc je vais rester muet. Tout est bien qui finit bien, donc je vais rester muet. La vérité sort de la bouche des enfants. Pose-toi des questions si quand t'écoutes le son, t'es pas content. De Cizia au City Gangsta. Yaskar dans la maison. Libéré Bison, on sosait les taux. En écoutant ce son, tu dirais qu'il a 30 ans. Yeah. Tiens. On va essayer de se défendre comme des vieux loups. lourd, mon frérot. Le cœur il y est, on peut pas se checker, mais le cœur il y est, voilà. Poto, y'a la frappe à 10 balles. Et les fils de pute qui crient Mayday. J'accélère, je ralentis pas. J'suis dans un combat mortel comme Raiden. Une balle qui vient de nulle part. T'étais pas prêt, t'étais pas Raiden. Les types de ma ville, ils sont crazy. Pour le bénéfice, vont te baiser. Je me lève de bon matin, la baramine. Récupère la recette au PMU. Et celui qui se mêle, on le termine. Tout est permis, fini la CMU. Ami, viens voir dans mon bendo, c'est Hemi. Apparemment, on est des vermines. Trop parano, enlève ton vernis. Les portes sont fermées. Ami, Amo, une rafalée à la Yerrahmo. Désolé, Amri, si des fois quand je rentre, je dis pas un mot. J'ai fait trois fois le triangle des Bermudes. La fée carré, j'ai compris la Blair Witch. Les consanguins posthumes qui dépensent leur fortune pour nous faire des projets à la Blair Witch. Algérien taré, je suis Warani. Les armes des Tataouin, la frappe de Marnia. J't'explique le bico, baisse de cendrillon. La fume dans le cendrier, ramène la sangria. Elle se croit vraiment bonne cette sale billage. J'peux pas la baiser si j'ai pas pillable. J'suis trop dégoûté, même au Sofitel. Claquer des dividendes, fais profiter. Arrête faire le loup, t'es un sanglier. Tu t'accroches à la branche comme le singe. Et même ta maman t'aurait renié. Le miroir ne voit pas ton visage. On s'évertue dans les derniers degrés de l'alcool et de la violence en réunion. Personne nous menace, on est réunis. Ma chérie provient de la Réunion. C'est drôle de les voir se sucer entre eux. À la queue le loup parce qu'il faut un ordre. J'ai appelé l'un et recalé l'autre. Car c'est pas les billets qui font un homme. À Marseille, les jeunes meurent dans les allées. Sont bien avant l'âge d'atteindre la calvitie. Va niquer ta mère, on se branle pas sur des hommes. Venez pas nous jouer les voyous. Ici. Si je veux je m'arrête pas, j'ai la rime facile. Maudit le temps que je passe à rêvasser. Ils m'ont dit c'est top, t'as la vie facile. Je maudis les torts que j'essaie d'effacer. La nuit je l'entends, je le vois, je le sens. Je le sais, il est près de moi. Et si elle regarde ce que fait Yémine, c'est sûrement que Yémine fait le mal. J'ai tout niqué, je fus un phénomène. Les confidences que j'ai faites mènent au rêve. Pendant qu'ils dormaient, je m'améliorais. Mon blaze est gravé sur le mémorial. T'as vu mes potes, sont paricains. Ils partagent le bif et à part égal. T'as vu ce type qui fait paricane et qui contrôle toute la ville et qui paraît calme. Les allers-retours se font paricane. Tarif en Marseille ou Alicante. Les petites salopes veulent parler calme. Et amènent leurs recettes, on alimente. Les petites d'aujourd'hui sont choquantes. Veulent choper en showcase dans le gamos ce allemand. Elles s'achètent des bottines Gucci, des loubous, du Fendi. De la coquille, tu bats le main. Hein? De la coquille, tu bats le main. Tiens. Ok, ramène ta gueule, ramène les deux textes. Viens.
sachez. Si autant de jeunes se sacrifient, ce n'est pas pour rien. Y'a aucun plaisir à suicider, ce n'est pour assouvir notre faim. Avant la fin de cette vie, j'imagine l'accueil qui m'est réservé. Aujourd'hui l'ange de la mort se balade en SRV. Toute une génération noyée par l'alcool. Que des tapins, y'a plus tabou, les deux narines dans la coque. Sachez, on atteindra nos buts malgré nos méthodes. Y'a tous mes frères sur le terre-terre, qu'est-ce que je foutais à l'école. Mademoiselle cherche un bonhomme, mais elle est trop plastifiée. Génération sacrifiée, dans ma gueule faut pacifier. Génération ça deal, c'est sa pile et c'est s'habiller. Généralement ça bifurque dans un hôtel en buvette. Une taille de belvédère, un paquet de clopes et 2-3 pylons. Je dois pas au rap ni à mon bus, tous les avions que je pilote. Et je tiens la route même sous mélange cannabis romantillé. 14 pistes sur le deal, cachette remplie de billets. Faut pas que maman la découvre, sinon je vais prendre des coups. Ils parlent de riz, ils parlent de rap, ils viendront prendre des coups. Tu parles mandarin pour un petit mandat de dépôt. On a traversé des montagnes et des rivières de pleurs. Je suis fait de larmes et de sang et je devrais monter au ciel. Il faudrait cacher mon sort, je veux pas le dire à ma sœur. Toute la nuit je suis en sueur, tu veux je t'explique le procédé. Ils essayent de me conseiller, ils essayent de me posséder. Toutes mes victoires ont bien le goût des défaites que j'ai concédées. On dit que tu prépares mon décès pendant que je prépare mon CV. Génération sacrifiée, qu'on est les seuls à connaître. À s'assumer comme on est, assassin de la police. C'est devenu chelou ma gueule, je crois qu'on peut finir au goulag. À tous les inconnus qu'on finit comme Ziyad et Bouna. Ouais, je démarre au quart de tour, car j'ai mon cœur dedans. Je vais laisser mes empreintes lyriques, je prendrai pas de gants. En bas des quatre tours, souvent je regarde le temps. Et les dégâts qui peuvent nous infliger, frangin, regarde-toi. Le texte il part de rien, comme celui qui l'écrit. Le frère il me part de bien, c'est lui-même qui les prise, c'est le même qui néglige, le même qui revient me sucer, le même qui m'abandonnera si je n'atteins pas le succès. Ça paie pour 15 000, c'est pas de nous mon frère. On fait pas zère, ma vraie enfant de la Zermi. On part au Red Ma pour 10 grammes ou pour 1,5. On fera bien le mal, démarre la Z1000. Voilà le saignement, le vrai rebut à Seymar. Prononce mon blast de ta main racette jusqu'en Seine-et-Marne. T'es pas au courant, ma main gauche elle va te renseigner. Toute la violence et l'humilité qu'on m'a enseigné. On soigne le mal, parle pas de trêve. Parle moi je te crève, car et moi je te pèse. On alimente pas les rumeurs ici les plus de thèse. On a le mental, t'as les rageurs comme ROH de Zev. Génération sacrifiée. Tiens, ils nous ont pris pour des teubés hein. Eh ben, quelle session live à l'instant hein. T'as aimé? On s'est régalé. Cadeau. On a commencé par PSG TV. Ouais, PSG TV, ouais. T'as vu l'enfoiré? Remix. Là, c'est pas bien. Voilà, c'est remix. Pas bien. Tu veux me faire à chaque fois. Non, en tout cas, avec ISK qui était là aussi. ISK nous a régalé aussi sur son titre. Hein. Lourd de. Ouais, franchement. J'ai pas les mots, mon frère. Tu rappes quand même. C'est quoi, c'est un titre? Tu l'as dit? Titre inédit, ouais. Qui s'appelle? Vérité. Que de la vérité, mon frère. Ah bah, que de la vérité, ouais. On a que de la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est choquant de voir un enfant, parce que t'as quand même 17 ans, c'est choquant de voir un enfant rapper comme ça, mon frère. C'est une dinguerie, mon frère. Sur la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Ah bah, ce morceau-là, tu toi, justement, tout le monde. On parlait tout à l'heure de l'écriture et de la. Voilà, d'aller chercher justement l'écriture, d'aller chercher les mots, de peser les mots, ouais. Tout ça. Là, c'était mature déjà, je trouve. Et c'est encore plus beau, c'est encore plus beau parce que c'est rare dans sa génération. C'est vraiment très très rare, ils sont moins portés sur l'écriture, c'est très très lourd, c'est concis et c'est pas surjoué surtout. On sent que c'est vrai, on sent que c'est authentique. C'est la vérité, comme j'ai dit. Eh bah, écoute, tu nous as régalé, franchement, ISK. Merci aussi. Et puis, on a fini, donc, avec ce petit remix, ce là. Ce petit remix. Hein, on léger, ma moumou. Voilà, c'était lourd de fou. D'actualité. Et voilà, c'est le son d'un grand monsieur qui nous a bien inspiré et qui, aujourd'hui, je trouve que le son, il parlait de ma génération à moi, on dirait. Donc voilà, c'est pour ma spéciale dédicace à ma génération. Génération sacrifiée. Génération sacrifiée. Le remix par YL. Le remix par YL. Le Planète Rap entre 20h et 21h. Avant de se quitter, on va finir avec un dernier morceau. Bah, tiens, ça aussi, on parlait d'écriture, ça aussi, c'est un morceau, je me souviens. Pile poil 3 minutes 6. 3 minutes 6. Et il fait vraiment 3 minutes 6. Et il y a chaque minute qui est annoncée. Et il y a chaque minute qui est annoncée. 1 minute 27, ouais. 1 minute 27, 2 minutes 43. Ça, c'est un concept aussi. Rappelle-nous, c'était sur Nyx et. Nyx et Reb, exactement. Oui, c'est ça, c'était sur Nyx. C'était le premier titre, c'était l'intro. C'était l'intro, ouais, de ce morceau. Et pareil, ça partait d'un délire. Voilà, tu t'es dit, je veux faire un son de 3 minutes 6. Ben, pas 3 minutes 7 ni 3 minutes 5, 3 minutes 6. 3 minutes 6, pile. Pile poil. Non, mais ça porte bien son nom et puis ça s'est écrit facilement. C'est vraiment, malgré que ça a l'air chaud, ça s'est écrit facilement, j'étais fluide. Donc ouais, j'étais vraiment content de ce morceau. Et bon, les coups de maintenant, on finit avec sur Skyrock. Bye bye. Ozora Miyagi, merci bien. Ils se rappellent de
moi comme Vegeta. Mais ils t'en parlent comme un pourri. Je suis arrivé dans ce game et je les ai haggal comme un gouri. Premier CD, il est doré, hein, hein. Il est doré, hein, hein. Le cercle est fermé et censuré comme la Corée, hein. C'est loin l'époque où j'allais sur YouTube pour suriner. Des prods aujourd'hui, j'en reçois 250 sur email. Des activités futiles, t'as promis de plus t'y mettre. Autant que ce clan d'eau avait promis de plus se mutiler. Mais tu te sens pas utile, aucune fleur à butiner. La fin du mois, c'est pas très net. De toute façon, t'es habitué, tu te fais fumer, c'est pas marrant. Tupac Shakur Amaru, pour la suite, t'es pas préparé. Père de famille au cabaret. J'ai que ma parole, j'ai que ma daronne. J'suis pas parrainé par le patron, t'as le CAC 40. Tu sais, l'histoire est pas marrante, joue pas un rôle. Larguer les amarres, la salle à nous vient du Camaro. On partage ma canette, donc prends mon gun et puis mon casque-caraille. On se met dans les problèmes pour une parole, ben ouais, c'est pas malin. Me dis pas que t'as peur, que c'est pas l'heure, ou bien que t'as pas l'âge. Tu cherches l'amour, ici y'a pas de câlin. Apprécié par les paroliers parce que j'suis minutieux. Respecte les délais, ramène la cam de Minassian. La précision, j'l'ai dans les veines, je finis le verset. J'les baisse recto. Verso, ça fait 1 minute 27. Papa m'apprend les versets. Faire confiance à personne me conseille de me faire solo. La haine que j'ai déversée m'a fait plus de mal à moi-même. Aujourd'hui j'ai la tête sous l'eau. Confidence rebeu, je me sens seul. J'ai pris l'escalier parce qu'il marche pas dans mon sens. Eux, ils ont pris l'ascenseur. Moi, ma chance, c'est que je les découpe en freestyle devant toute la France. Je veux pas de récompense, non. J'y pense, frère. Des fils de pute me sondent pour savoir le fond de ma pensée. Mon cœur a des pansements, des grosses peines. J'ai plus d'amour aujourd'hui, j'en ai trop dépensé. C'est qui on est, on vit, on meurt. L'ambiance est mauvaise. J'accumule ces millions de vues et tout ce mauvais œil. Les miens ont maigri sous les coups, les vôtres sont obèses. Pas de content suisse. Des contentieux, il faudra compter seul. C'est des potes, ça dépite, ça vient des buts. Ça surveille sans compte épargne. J'fais ma vie de santé, écouter sans un diplôme de débuté. Quand les crimes me sont imputés, pas de putain d'immunité pour maman. Le bif c'est pour moi-même ou pour les miens. Je sors d'une cuite dans la cité. Qu'on m'acclame, qu'on m'insulte, j'ai pas attendu qu'on m'incite. Quand mon avenir prend la fuite, les vautours en file, indien. Ils veulent un fit, ils veulent ma bite, ils veulent ma vie, gros village. Sois pas choqué, on reste froid pendant que nos parents taffent. Mon petit frère est dans la street sans l'accord parental. Tu sais, c'est pas bon d'exposer tout ce que tu gardes en toi. Je vois que tu crois en moi. Ça fait 2 minutes 43. J'ai déversé ma colère, maintenant je vais faire un collage. J'ai plus quoi trop écrire, alors je dédicace mes collègues. Tu veux la thune, sois honnête, pourtant t'es qu'un pauvre connard. Tu souhaites le malheur aux autres et tu n'espères pas le connaître. Ah non, faut pas déconner, faire des hits comme Billie Jean. Je commence le taf à midi, je le finirai à minuit pile. Toujours avec minutie. Et j'encule la prod, j'encule ça fait 3 minutes 6. Bah. Voilà, ça fait 3 minutes 6. Pile. Pile. Pile, mathématicien. Merci pour cette belle soirée, en tout cas, merci YL. Merci à toi, Fred, j'espère que ça t'a plu. Bah, ça m'a plu, on va retrouver ISK aussi prochainement. Tu reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine. Je sais pas. Comme je te vois souvent en ce moment, je me dis peut-être que tu reviendras la semaine prochaine. Qui Allah Alem, voilà. On m'invite la semaine prochaine, je sais pas qui c'est, mais. La semaine prochaine, bonne question. Ouais. C'est Chili qui débarque la semaine prochaine, voilà, dans Planète Rap. On va profiter donc d'YL, en tout cas cette semaine, entre 20 et 21. Merci à toi. ISK, on rappelle qu'il y a ton projet qui est dispo aussi. Hein. Mon projet est disponible, mais là, aujourd'hui, on est là pour le projet du frère YL. Vaillant, disponible. Bon. Une bonne mixtape. Et voilà, on est ensemble. Faites-vous plaisir, streamez en ce moment, c'est le moment ou jamais. Streamez à mort et allez écouter le projet du frérot. Moi, je vous le dis, le mal est fait, c'est très très long. Très très long. Merci à vous deux. Rendez-vous demain, YL, pour la suite de ce Planète Rap. Bien sûr. Merci à Rock J qui était là comme d'hab. Je serai à l'heure. Merci, fidèle Rock J, mon grand Rock. Et on va retrouver tout de suite l'équipe de la Radio Libre. C'est parti, c'est D-Fool et tout le monde. C'est parti, bonne soirée. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.